Je n'ai jamais repris de douche froide. Ça fait plus de 9 mois. Et là, en décembre, ça va pas être une blague, tu vas pouvoir assister à cette reprise. Deux jours, deux nuits. Des fois, il y avait la tempête, il y avait du vent. Viens pas te baigner, papa. Une petite séance à la dure dehors, ça sera relativement extrême. Ça, j'ai jamais vu, alors. C'est comme ceux qui se baignent au lac toute l'année. On a passé le cœur de l'hiver suisse, qui peut être assez glacial. Oh putain, je vais pas rester longtemps. Là, vraiment, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec la nature. C'est carrément autre chose que la douche et son petit jet d'eau. Sors, ok, purée, je sens absolument rien. Bon, je te présente un homme peu fier de lui. Hein, ces derniers temps, j'ai été faible. J'ai failli à ma mission. Je sais pas si tu te souviens, mais en février 2019, j'ai commencé la méthode Wim Hof. J'ai fait une vidéo YouTube dessus d'ailleurs. Et donc, je pense que tu l'as compris. La vidéo que tu regardes là maintenant, c'est la partie 2. C'est la suite de cette première vidéo, en quelque sorte. Mais juste avant de commencer, et là, c'est le Eric du futur qui te parle, je précise que beaucoup de blabla a été coupé au montage de cette vidéo pour surtout se concentrer sur le visuel. Toute la mise en contexte et comment je me suis retrouvé assez bas dans mon estime de moi au début de cette vidéo, je l'ai expliqué en détail dans un épisode complet de mon podcast qui contient absolument toutes ces explications de l'avant, pendant et après cette expérience qui sont très complémentaires à cette vidéo. Bref, ça change rien pour profiter de la vidéo, mais après l'avoir vue, si tu en veux encore un peu plus, eh ben je te recommande le podcast. Voilà, installe-toi confortablement, c'est parti pour le récit de cette aventure. Et donc voilà, on est le 2 décembre 2020 et j'ai réussi à m'auto-convaincre de repartir pour un tour. Bon, ce coup-ci, j'ai un supporter supplémentaire. Tu penses que je vais y arriver ? Ouais, elle est très enthousiaste, je savais, merci. Bon, ça fait donc bien longtemps que j'ai pas pris une vraie douche froide et là en décembre, ça va pas être une blague, tu vas pouvoir assister à cette reprise. Il est temps de passer à l'acte et de prendre cette première douche froide dont je vais mesurer la durée, la température, histoire d'avoir un point de référence. Et du coup, eau froid maximum, hein, toujours. On va pas se poser de questions. Ah ouais. On se calme un peu. On se calme. Oh non, pas encore. Putain, c'est pas vrai. Un peu plus d'appréhension que de vraies douleurs et chocs thermiques, je m'attendais à pire en vrai. Je suis presque content, c'est peut-être plutôt bon signe. Ça me donne pas du tout envie de recommencer là tout de suite, mais ça commence à faire chaud là. Comme la dernière vidéo, je vais faire des petites updates à la fin de chaque semaine, histoire de parler un peu de ce que j'ai fait. On va passer moins de temps sur les douches, parce que ça j'ai déjà fait, je vais me remettre dedans tout seul, j'ai pas besoin d'un public, tu vois, même si je t'aime bien. On se revoit, du coup, dans quelques jours. Et donc, quelques jours plus tard, me revoilà. Bon, ça est passé vite, hein. Déjà au jour numéro 16 et pas mal de choses se sont passées ces deux dernières semaines. Bien évidemment, j'ai continué à ne prendre que des douches froides et j'en ai filmé quelques-unes pour ton plus grand plaisir. Alors, je vais pas te mentir, les premières douches, je les ai vraiment bien senties, hein. Ça restait bien froid, bien difficile et désagréable et j'y allais progressivement du coup en commençant par les pieds, tranquillement, avant d'attaquer le haut du corps. Ah, c'est pas pratique le maillot, ça me fait pas gagner du temps, hein. Ça c'est sûr. Clairement, autre chose que j'ai très vite remarqué, c'est que c'était bien plus dur et ça semblait encore plus froid quand je me filmais pas. Tu vois, quand j'étais tout seul dans ma douche, c'était vachement plus froid. La tête, clairement, tu mets trop longtemps, ça commence à faire mal. Sinon, après la méthode progressive, j'ai aussi retesté d'autres moyens un petit peu plus directs, on dira, de commencer mes douches avec, voilà, plus ou moins de succès. Ok. J'ai un peu raté ce que je disais, j'avoue, je vais ouvrir un peu moins. Bref, voilà, j'ai continué ma petite semaine tranquillement, en récupérant quand même un peu d'intimité lors de mes douches. J'ai aussi mis en place d'autres systèmes ces deux dernières semaines pour augmenter ma résistance au froid. Par exemple, dès les premiers jours, j'ai directement baissé le chauffage chez moi. Là, il doit faire autour de 18-19 degrés en moyenne. Je reste toujours en t-shirt ou éventuellement en débardeur. Et je pense que ça fonctionne, parce que l'autre jour, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit qu'il faisait quand même assez froid là-dedans. Sinon, j'ai aussi baissé le chauffage dans ma voiture. Quand je me déplace, je garde les fenêtres ouvertes aussi pour les petits trajets. Je vais au sport directement en short et en débardeur, ce qui me demande de marcher quelques minutes dehors encore après m'être parqué. Il fait frais, mais en vrai, à chaque fois, il fait un petit peu moins froid. Et puis le masque, je sais pas si c'est psychologique, ça réchauffe. Et donc voilà, arrivé à la fin de la première semaine, j'ai voulu marquer le coup avec un petit challenge, histoire de pimenter un peu le truc. Bon, du coup, tant qu'à me chauffer, je vais me tenter un petit chrono. Je sais pas, le chrono, ça me booste, tu vois, j'ai envie de faire plus longtemps, on va voir. Pour me préparer au mieux pour les douches, je me passe d'abord un peu d'eau partout, et surtout, je respire profondément
tranquillement et calmement. Ça fait une grosse différence pour moi au moment où l'eau, elle arrive sur mon corps comme ça d'un coup. Et ça me permet de garder le contrôle sur mon corps, sur mes émotions et sur ma respiration. Après voilà, dès que je prends quelque chose comme un challenge perso, je suis direct beaucoup plus motivé et performant. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à rester plus de 10 minutes sous ma douche froide pour conclure cette première semaine en beauté. Tu veux venir te doucher avec moi? Ouais, bah là c'est fini, désolé, moi j'ai terminé. Bon, je pensais pas faire aussi long. 10 minutes 30, plutôt cool. Plutôt cool. Pour cette deuxième semaine, mon but était de continuer à up un peu mon game, tu vois, histoire de pouvoir me préparer à tous les niveaux et notamment de commencer à affronter le froid en extérieur. Et donc, quand il a neigé le 10e jour, j'aime autant dire que l'occasion était plutôt parfaite pour descendre en bas de chez moi, jouer un petit moment. Bon, il neige, il commence à faire assez froid par ici. Première petite expérience, tenir un peu dehors, pieds nus, sous la neige. Il doit faire à peu près zéro du coup. Le but ici, c'était donc de commencer à m'entraîner à être dehors, juste à pieds nus, voilà, à tenir debout, à marcher un peu dans le froid, histoire de commencer progressivement à augmenter ma résistance dans d'autres conditions que juste dans l'eau. Bon, ça fait quoi? Petite dizaine de minutes, je pense, je vais m'arrêter là. Je vais faire ça petit à petit, je vais me faire des petites sessions comme ça, je pense, de 5-10 minutes à pieds nus là, en bas de chez moi, histoire de m'acclimater un petit peu plus à ce niveau-là. Avec la température de l'air et tout ça, c'est pas la même chose que les douches. En parallèle de ça, bien sûr, j'ai maintenu tout ce que j'avais mis en place la première semaine en termes de style de vie. Quand je sors de chez moi, c'est en t-shirt. J'ai continué à prendre des douches froides, bien sûr, sauf que là, c'était plutôt du 3-4 minutes. Et là, clairement, physiquement, ça me fait beaucoup de bien. Mais mentalement, il y a vraiment quelque chose qui est différent. Je kiffe prendre ces douches, vraiment. Que c'est un plus à ma vie, tu vois. Peut-être j'exagère un peu, mais quoi qu'il en soit, je me sens bien. Bon, deuxième petit entraînement dehors. Aujourd'hui, c'est du 5 degrés et de la pluie. Ça varie un petit peu, c'est bien, ça change. Comme tu vois, j'ai fait d'autres séances à l'air froid, mais je t'avoue qu'il y a quand même pas des masses de trucs à faire en bas de chez moi. Ouais, c'est pas pour faire le mec, mais j'avoue que je me fais un peu chier quand même. Hein. Bon, ça fait quoi, 20 et quelques? Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même assez ennuyant et c'est pas hyper dur. En fait, vraiment, le fait de m'allonger dans l'eau, là, ça me refroidit beaucoup plus vite, mais sinon, en fait. Bref, comme tu l'as vu, je commence à prendre un petit peu la confiance dans cette expérience. Et donc, hier, pour conclure cette deuxième semaine, je me suis lancé un autre petit challenge. Bon, tu te baignes avec moi, on fait ça les deux. On est chaud, je crois. Première immersion de cette expérience. On va faire ça dans ma baignoire, c'est un peu plus simple. On part sur un petit 10,5 degrés aujourd'hui, ça va être plutôt agréable, je sens. Hein. Alors, j'avais la confiance, c'est sûr, mais quand même, je savais que j'appréhendais pas mal ce premier bain, parce que ça fait quand même très longtemps que je l'avais pas fait. On va éviter le choc thermique, quand même, là. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende que nos parents nous racontent, mais dans le doute. Ok, c'est parti. La baignoire, je savais que c'est carrément autre chose que la douche et son petit jet d'eau. Là, il y a vraiment nulle part où se cacher. Ah ouais, alors si tu veux, vas-y. Je te préviens, c'est pas très drôle. Mais je le sais depuis le temps, c'est de se convaincre mentalement d'aller mettre le premier orteil dans l'eau et de tenir la première minute qui représente le plus gros de la difficulté avec le froid. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sens bon? Dis donc, tu fais la star là, hein? Eh, c'est moi le centre du spectacle là, vas-y, casse-toi. A partir de là, il faut rester à l'écoute de son corps et sortir quand le moment semble bon, bien avant que ça puisse devenir dangereux du coup. On va s'arrêter là, je crois. Et pour moi, j'ai estimé que ce moment était arrivé après un peu plus de 10 minutes de suite dans ma baignoire. Mais c'était pas si mal, en vrai, c'était pas si mal. Je crois qu'on va pouvoir aller attaquer en extérieur dans les bonnes vraies conditions, du coup. Oh. Et en effet, à partir de maintenant, je pense que si je reste trop chez moi, ça va commencer à trop me limiter dans ma progression. Donc, il est temps de retourner me baigner un petit peu plus dehors et d'aller me balader encore un peu plus loin. Et tout ça, ça commence demain. Bon, et bien comme prévu, jour 17, c'est une belle journée aujourd'hui pour aller se baigner dans le lac. Je suis de retour au lac dans lequel j'ai été, mon lac, hein, j'ai envie de dire, de la première expérience. Je sais pas exactement la température, ça doit pas être si terrible. On va aller tester tout ça, on va voir combien de temps je tiens. Ça fait quoi là? 4 minutes à peu près. Ouais, ok. Ça commence à trembler un peu, comme d'hab. Je reconnais les signaux. Ça y est, je suis rentré dans le groove là. Je deviens complètement insensible, donc ça va. Ah, allez, 11 minutes, je crois que. Ça me fait des décharges électriques un peu partout là, c'est quand même un peu bizarre de se remettre à bouger un peu. Bon, ouf, 11 minutes,
On était sur du 9 degrés. Ça va, hein, les conditions étaient quand même plutôt idéales. Bonne baignade, c'est quand même plus sympa que dans la baignoire. Ouh, j'ai un peu froid quand même. Bon, on va se réchauffer un petit peu. Je reviendrai dans d'autres conditions, mais... je crois que je vais aller me réchauffer, m'habiller un petit peu. Mais plutôt content. Bon, je crois qu'il est temps de faire une nouvelle update, ça fait un petit moment, il est temps de se remettre un peu à jour. En plus, je suis revenu hier d'une baignade dans un endroit assez magnifique, donc je me réjouis de te montrer ça, mais juste avant, on va repartir là où on s'était laissé la dernière fois, hein, c'est-à-dire lors de ma première baignade dans ce cher lac. Tu l'as vu, les conditions étaient bien bonnes, hein, quand même, il y avait du soleil, alors l'eau restait assez fraîche, hein, on va pas se mentir. Mais là, du coup, avec Cédric qui me filme, avec toutes les caméras, avec le drone, il y a même mon père qui a débarqué de nulle part, comme ça, pour venir me voir me baigner à la fin. C'est mon père, si jamais. C'est mon père. Qui est venu me supporter apparemment. Tu viens pas te baigner, papa? Pas aujourd'hui? Non. Elle est pas mal pourtant. Mon père se baigne aussi de temps en temps, tu vois. Cette famille peut-être. Donc, dans ces conditions, avec toute cette pression, je l'ai un petit peu pris comme un challenge personnel à nouveau, ce qui explique mon temps de 11 minutes pour cette première baignade au lac. Après, je vais pas trop faire le mec, hein. J'avais quand même bien froid quand je suis sorti, je tremblais pas mal. Ça m'a pris du temps de récupérer et je suis allé prendre une bonne douche tiède, ça m'a pas mal aidé. Bon, à partir de là, pas question de brûler les étapes, j'avais pas envie d'être impatient et d'y aller comme un fou. J'avais surtout envie de driller un petit peu ces baignades dans le lac, histoire que ça devienne aussi normal, entre guillemets, que possible pour mon corps, tout comme pour me renforcer dans ma tête et réussir à me forcer de plus en plus facilement à y aller. C'est marrant, il n'y a personne à la plage aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai eu la bonne idée, je trouve, de prendre la résolution et donc de m'engager envers moi-même, c'était juste après Noël, d'aller me baigner dans le lac tous les jours, sans exception. Ouais non, je sais pas, aujourd'hui je le sens pas. Je rentre. Comme ça, si j'y allais pas, bah forcément, je le saurais, tu vois, vis-à-vis de moi-même, j'aurais pas d'excuses valables parce que j'ai de toute façon le temps, hein, on a toujours le temps. Et pour éviter de me décevoir moi-même, j'avais pas le choix. J'avais encore plus la pression de continuer à intégrer cette nouvelle habitude. Bon, j'ai changé d'avis finalement. Et bah du coup, forcément, sans surprise, j'ai été très souvent dans le lac à partir de là, hein, avec des bains de jour, de nuit, par beau temps. Des fois, il y avait la tempête, il y avait du vent, il y avait une eau agitée. Clairement, ça complique la baignade, hein, quand il y a tout qui bouge, c'est clairement plus froid, surtout quand il y a du vent. Voilà. Là, elle est fraîche, putain. Donc je suis allé dans le lac tous les jours pendant une bonne dizaine de jours de suite quand même, entre Noël et le début du mois de janvier. J'ai donc pu finir finalement 2020 et accueillir 2021 comme il se voit. Eh ben, purée, téléport en 2021, bon. Après voilà, l'idée ici, comme j'ai dit, c'était pas forcément de vouloir établir des nouveaux records personnels à chaque fois que j'y allais. Au contraire, c'était juste de prendre l'habitude mentale, de prendre l'habitude physique aussi, de m'y mettre, et généralement, je restais dans l'eau entre 3 et 8 minutes environ. Ça suffira pour aujourd'hui. On revient demain, hein, de toute façon, voilà. La température, du coup, elle était à 9 degrés lors de ma première baignade. Clairement, ça s'est un petit peu rafraîchi, je l'ai senti, parce que pendant toute cette période, bah, c'est progressivement descendu jusqu'à 7 degrés. C'est froid quand même, hein, je sais. Ça dépend aussi par rapport à la température de l'air, tu vois. Quand l'air était plus froid, ça allait. Comme tu l'as vu, ce mois dernier, j'ai aussi eu l'occasion de ne pas me baigner tout seul, ce qui était plutôt agréable d'ailleurs. Premièrement, ce cher Elio, que tu connais peut-être, est venu passer quelques jours chez moi, au milieu de ma série de baignades de lac, hein. C'était autour de Nouvel An, du coup. Pour la toute première de mes baignades à laquelle il a assisté, c'était un peu la tempête, il faisait super froid, donc comme n'importe qui l'aurait fait, bah il était en gros anorak à me regarder depuis le bord du lac, et il était là pour m'accueillir à ma sortie. Et voilà, apparemment ça l'a quand même influencé un petit peu à vouloir tester, car j'ai pu procéder dès le lendemain à son initiation officielle avec une petite baignade d'une vingtaine de secondes. Bon voilà, on va le faire aller progressivement, je crois que c'est bien quand t'es motivé de te lancer, mais faut faire attention quand même. Hein. J'ai aussi un autre pote, mon meilleur ami depuis très longtemps, qui est passé me voir quelques jours et qui lui aussi a été apparemment suffisamment intrigué pour avoir envie d'essayer. Un peu sur le torse, petit IP sur la nuque. Et là, tu prends trois grosses respirations et à la troisième expiration, tu descends dans l'eau. Contrôle la respiration. Essaye de respirer lentement. Et là, dès que t'en as eu assez, tu te lèves et c'est fini. Comme tu peux voir, au bout du compte, malgré voilà, quand même une grosse appréhension au départ et même quelques craintes qui sont normales, hein, qui sont par exemple de tomber malade, ce qui ne s'est pas produit, eh bien, je crois qu'ils ont quand même bien apprécié ces petites expériences. Ah, c'est très dur, putain. Oui, ça me fait super plaisir d'avoir découvert ça avec toi, mec. Ouais. 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 Oh, putain, je vais pas rester longtemps. Tu seras dans ma vidéo, mec, tu veux dire bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés, ça se passe là. Bonjour. Ah oui, bah, c'est fou. Ah, c'est vous. Ah, c'est vous. Ah, ils sont là, regarde, ils faisaient. Ah, c'est trop bizarre.
Oh putain, ouais, le lac de Eric, il est froid, si jamais. Bon, sinon, comme tu peux le voir, je vis toujours en t-shirt, hein, et à chaque fois que je sors de chez moi, c'est pareil. Que ce soit pour, voilà, faire mes courses, aller chez des potes, ou même simplement aller courir. Je mets quand même un pull pour aller m'entraîner dehors, parce que voilà, les salles sont fermées, il fait froid, j'ai envie de m'entraîner efficacement, donc j'ai envie d'être réchauffé le plus rapidement possible, et ensuite, bah, je l'enlève une fois que je suis bien. Je sponsorise pas mes vidéos, et j'en fais pas toutes les semaines, parce que comme tu peux voir, ça demande pas mal de ressources et de temps, suivant quoi. Donc, si t'as envie de soutenir mon travail, tu peux aller sur ericflag.com si tu as besoin d'un programme sportif ou de matériel pour t'entraîner au poids du corps chez toi, n'importe où. Et bah tu peux le prendre là et faire d'une pierre deux coups. Voilà, je te remercie énormément. Bah je retourne m'entraîner parce que il fait froid quand on s'arrête, hein. D'ailleurs, je vais bientôt pouvoir augmenter un petit peu le niveau de l'exposition à l'air froid parce qu'avec la météo qui s'annonce, il va faire très froid, mais je t'en parle juste après parce que hier, donc, pour marquer un peu le coup, j'ai voulu trouver un endroit différent, j'ai voulu trouver un nouveau challenge. Et je l'ai trouvé à une demi-heure de chez moi en voiture et après une petite marche à pied quand même, on est arrivé dans un endroit aussi magnifique que parfaitement adapté à une baignade froide de niveau supérieur. Vraiment, cette baignade hier, c'était vraiment un kiff monumental, vraiment un truc de fou. Là, vraiment, j'avais l'impression de ne faire qu'un avec la nature, tu vois. Oh, c'était vraiment cool. Par contre, quand il y a du courant qui te pousse un peu dans tous les sens, là, c'était vraiment froid. J'ai quand même eu assez froid aux pieds, surtout qu'il a fallu marcher encore derrière pour retourner la voiture et tout. Mais ouais, non, c'était vraiment cool. C'est tellement impressionnant quand t'es devant la cascade, tu sens toute la puissance de ça t'arrive. Cascade, bref, voilà, beaucoup de plaisir en vrai dans cette expérience jusqu'à présent. Peut-être ça se ressent. Et là, je suis content parce qu'il va neiger et on va s'organiser probablement pour la prochaine étape un peu symbolique de l'expérience, une petite marche dans la montagne, dans la neige. Je me réjouis de faire ça, je me réjouis de te le montrer, mais toi tu vas le voir tout de suite, donc à tout de suite. Bon, ça fait 2-3 semaines là, sauf erreur, depuis la dernière update, donc je crois qu'il est temps de se mettre à jour sur les derniers événements parce que il a fait bien frais et il y a quand même eu des hauts et des bas pendant cette période. Ah, quand même, ça commençait à devenir un peu difficile, il a neigé. Au niveau des bains, je suis retourné dans le lac de temps en temps, plusieurs fois, clairement, même si c'était un petit peu moins que les premières fois. Au niveau des hauts, bah tout autant, des fois les baignades dans le bain, c'est cool, tu vois, le paysage est beau, il fait beau, je suis paisible, je suis calme, je me mets dedans, tout va bien, je profite un petit peu du moment. Et une petite baignade de plus dans la boîte. Et dans le corps. Autant des fois je me sens pas méga en forme, je me sens limite, je suis un peu frais déjà, tu vois, je vais dedans, il fait moche, il fait gris, il fait froid, j'ai pas envie de me traîner jusqu'au lac parce que ça prend du temps aussi d'aller jusque là-bas et tout. Et de me baigner encore derrière dans de l'eau froide et de rester dedans, des fois c'était vraiment désagréable quoi. Il y a des jours c'est dur, là pour le coup aujourd'hui c'était vraiment dur, je tremblais même avant d'aller dans l'eau. Mais je sais que c'est ces jours-là où il faut absolument y aller quand même. Donc on réfléchit pas, on y va et on fait le job. Même quand on n'a pas envie du tout. Et ce genre de difficulté a continué avec l'exposition à l'air froid que j'ai pas mal entraîné ces derniers temps. La première fois qu'il a bien neigé, il a neigé jusqu'au bord du lac. Il faisait un bon petit 0 degré. Surtout, il y avait beaucoup de vent. Voilà, moi, je suis parti comme ça, comme une fleur, juste en maillot de bain. Du coup, le temps de mettre mon trépied en place, de me mettre devant, etc. Je me suis rendu compte que ça allait quand même être assez compliqué. Je savais en plus qu'il fallait que je rentre à pied derrière encore. J'ai pas voulu faire le fou. Je suis resté du coup un petit peu moins de 10 minutes devant l'objectif à la fin. Et là, j'avais clairement estimé que j'avais eu mon compte. Entre la neige et le vent, en vrai, là il fait froid. Là j'ai froid. On va y aller gentiment du coup, il faut retourner. Et après coup, j'avoue que j'étais presque un peu déçu. J'aurais pensé faire un petit peu mieux. Alors déjà, je me rendais pas compte du ressenti. Hein. Avec le vent, c'est pas la même température déjà, ça c'est sûr. Mais en plus, il faut faire attention à l'ego avec ce genre de truc. Encore plus quand tu peux pas te réchauffer directement après. Bref, il vaut mieux terminer un petit peu trop tôt qu'un petit peu trop tard. Et j'ai continué hein, à vivre ma vie en short, en t-shirt, en débardeur ou même torse nu quand j'ai envie de faire le mec devant la caméra, tu vois. Et il y a quelques jours, après qu'une nouvelle belle petite couche de neige soit tombée un petit peu dans les hauteurs, bah, j'ai pris ma voiture, je me suis cassé,
pied, je suis monté jusque là-bas. Et mon but, c'était de trouver un bon petit champ de neige bien dégagé et de me refaire une petite séance à la dure dehors, alors qu'il faisait quand même une bonne petite température de moins 2. Ok, nouvelle petite acclimatation au froid, hein, on va se préparer un petit peu à ce qui va arriver plus tard dans l'expérience encore. Donc voilà, je suis resté debout, à marcher sur place, à respirer, à me concentrer sur le moment présent, à tenter mentalement de contrôler mon corps, à créer de la chaleur. Alors bon, il commence à avoir l'habitude maintenant, je crois, hein, il doit savoir comment faire depuis le temps. Il y a des gens au bord de la route là-bas, je vais vraiment passer pour un abruti. Bon, évidemment, je suis arrivé à un moment donné où j'ai eu mon compte, j'ai rapatrié mon petit drone que j'avais mis à tourner et j'ai gentiment conclu tout ça. Une petite vingtaine de minutes, je vais m'arrêter là, je crois. Là, je commence à avoir froid. Du coup, c'est des conditions relativement bonnes en vrai, hein, je pense qu'avec du vent ou de la neige, là, ça deviendrait tendu. Plutôt content pour aujourd'hui. J'ai un petit peu froid quand même. Après, c'est nécessaire, je pense, d'avoir un peu froid parce que ça veut dire que t'es en train de forcer une adaptation. Par contre, faut vraiment évidemment faire attention. Mais j'ai l'impression que je deviens meilleur. J'arrive bien à gérer, à contrôler, à ressentir les trucs. Et c'est pas plus mal parce que, comme je l'ai dit, dans quelques jours, on va aller en montagne, on va boucler un petit peu cette montagne. Parce que là, on va choisir une météo particulièrement avantageuse. Ouais, je sais pas si c'est le bon mot. Ça sera relativement extrême, je pense, on va voir. Mais honnêtement, je me sens prêt là pour monter un petit peu encore, un petit peu le cran, c'est le but, hein. Mais sans partir dans l'inconscience. Et c'est bien pour ça que maintenant, je serai accompagné quand je ferai ce genre de choses. Bref, je me réjouis, encore un truc excitant qui arrive, sans parler des semaines qui viennent. Voilà, on se voit dans 2 jours. Ça, j'ai jamais vu alors. C'est comme tout, il faut aller progressivement et puis étape par étape. C'est comme ceux qui se baignent au lac toute l'année finalement. Baigne aussi, ouais. Ah, vous vous baignez, donc oui, ouais, vous avez quand même la vie. Aujourd'hui, on varie un petit peu les activités. Non, je vois même plus. Bonjour. C'est bon, hein? Ouais, ça va. Pas mal, ça. Bon, ben, je sens qu'on est parti un petit moment quand même. Hein. On a eu le temps de prendre un coup. Hein. On a fait quoi? 25 minutes, quelque chose comme ça quand même? Ouais. Franchement, je suis content. C'est vraiment au niveau des mains. Là, tu vois, les mains qui ont pris un peu là, elles commencent à se boursoufler un petit peu. Donc, on va pas abuser complètement. Mais sinon, je sens que l'entraînement a servi. Je sens que l'entraînement a servi, clairement. Bon, ça fait maintenant un bon petit bout de temps que cette sortie montagne s'est terminée. J'en suis sorti vivant, t'as vu, super, tout va bien. Et là, on est parti, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière update qui devrait se terminer, comme je l'espérais depuis le début, par un bain assez exceptionnel. Alors c'est pas celui-là dont je parle, mais je me suis dit que pour cette dernière update, on pouvait marquer un peu le coup. On va essayer de pas faire tomber l'appareil dans l'eau, parce que ça va me coûter très cher sinon. Donc à part ça, depuis la dernière fois, il a fait assez froid par ici, hein. Clairement, on a passé le cœur de l'hiver suisse qui peut être assez glacial. Et ça a été le cas parce que ça a même gelé jusqu'au bord de ce lac. Tu commences à me connaître, ça a été une occasion assez inratable pour moi d'aller expérimenter tout ça, dès que j'ai vu. Ah ouais, purée. C'est de la vase, mais un truc t'as pas idée. Oh. Le naufrage là. Ah ouais, purée, c'est pas de la blague. Et les petites pierres là, c'est comme un mur. Ah ouais. Oh. Ah ouais, d'accord.
Voilà, c'est vraiment la banquise là, faut pas de doute. Bon, première expérience dans la glace, plutôt sympa, hâte de la suite. Alors on va pas trop faire le mec, c'est froid quand même. Après bon voilà, faire le clown dans la glace, c'est bien cool, hein, mais faut faire attention, parce qu'avec un froid pareil, en fait on perd vraiment beaucoup de sensations des autres types de douleurs. Par exemple, je me suis bien griffé sur la glace avec tous les cailloux qui étaient incrustés dedans, mais j'ai rien remarqué du tout, jusqu'à pendant la douche que j'ai prise après. Bon, je sors de la douche après ce premier petit bain dans la glace, on se rapproche de des températures très très basses. Et un peu après ça, la vague de froid s'est intensifiée encore plus par ici. Bonjour. Ça va, ça va. Bon, j'ai pas ultra chaud non plus, on va pas se mentir, Il fait moins 3. Grosse vague de froid, d'ailleurs t'as dû la voir, hein. Il faisait moins 8 cette nuit, je crois. Là ça m'étonne, mais en fait c'est logique, l'eau est beaucoup plus chaude que la neige. On va être vachement mieux là-dedans en fait, je crois. Ouais, vive la Suisse. Ouais, je sens qu'elle est plus froide que d'habitude, hein. Je sens que ça cisaille au niveau du cou, c'est là que je le sens le plus. Ouais, au bout de 2 minutes, ça devient la routine. Ouh, il a failli passer à l'eau le con. Peut-être que ça peut aider pour mes cernes. Non, je suis juste rouge maintenant, en vrai, je crois. Bon, on est sur un bon 5 minutes, je crois que je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, ouf, la rougeur est présente. Bon, c'est la première fois que c'était aussi froid, mais là, je sens que l'entraînement est là, mine de rien, c'est cool, ça fait plaisir. C'était presque agréable, en vrai. Eh non. Bah allez, on va se réchauffer un peu quand même, hein. Et bien sûr, j'ai aussi profité de ces conditions météo pour continuer l'exposition à l'air froid. Petite balade à 22h, à moins 3, short et t-shirt, bien sûr, histoire de continuer l'entraînement. Et comme d'hab, il a fallu bien gérer le moment où il faut faire marche arrière. 40 minutes, ça commence à faire frais. Donc on va rentrer à la maison et ça suffira pour aujourd'hui. Et enfin, avant que les températures commencent à redevenir un peu moins extrêmes dans les jours qui ont suivi, eh ben je suis retourné quand même faire un nouveau petit tour dans la glace. Ouais, je vais juste prendre un peu l'eau et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Elle pue la mort l'eau ici par contre. Tu sens qu'il y a vraiment du vieux jus de bateau et tout. J'ai rajouté un peu mon jus à moi. C'était ça les bulles. Non, ça c'était juste le maillot, tu sais. Ouais. Ça fait toujours ça le maillot. Mais ce coup-ci, voilà, j'étais bien plus là en mode entraînement sérieux et routine, un petit peu comme quand je me filme pas, plutôt que juste pour rigoler. Bah, c'est la routine, hein. Bien tous les jours, y a pas toujours des trucs intéressants à raconter, quoi. Dire normal. Bah, le but c'est que ça devienne normal. Ça redescend vite, ouais, là, mais on était sur du 2-6 et l'air est plus froid, donc t'as l'air un peu rouge. Là, tu sais que t'es resté un moment dans l'eau. On arrive presque à la fin de cette expérience que j'ai voulu terminer, comme je l'ai dit, par une épreuve assez symbolique, un bain dans un lac gelé de montagne. Alors par ici, il y en a beaucoup, mais ils sont tous plus ou moins loin, plus ou moins difficilement accessibles, et surtout pratiques pour amener une équipe sur place pour qu'il y ait de la glace, mais qu'elle soit quand même cassable et pas trop épaisse, pour que je puisse me réchauffer derrière, etc. J'ai passé plusieurs de ces derniers jours à parcourir un petit peu la Suisse pour trouver le bon endroit. Et d'ailleurs, au milieu de toutes ces recherches, il y a eu une occasion assez particulière dont j'ai voulu marquer un peu le coup. Bon, jeudi 18 février, c'est mon anniversaire. Et je m'offre un superbe cadeau de me lever très très tôt. C'est pour la bonne cause, là, je vais aller me réveiller un petit peu. On va partir se baigner. Bah, je pense que t'avais compris le thème de la vidéo depuis le temps, là, quand même, ouais. Je me suis donc levé à l'aube pour pouvoir faire la route et assister au lever de soleil sur une autre cascade magnifique qui est pas trop loin de chez moi et qui est surtout impressionnante par sa hauteur de 116 mètres, hein, vraiment un truc de ouf. Bon, l'eau était bien fraîche, hein, 4 degrés et quelques, mais ouais, voilà, ça m'a aidé à finir de me réveiller parce que, bien sûr, je suis allé apprécier tout ça de plus près. Et j'ai pas été déçu. Déjà, le souffle de l'eau qui tombe quand tu t'approches, ça donne tout de suite le ton du truc, et en se mettant un peu en dessous, on se rend mieux compte à quel point on n'est qu'une petite chose minuscule devant une telle puissance de la nature. Du coup, bien sûr, je me suis fait cette petite baignade quand même, comme prévu, puis j'ai encore pris du temps pour essayer de m'imprégner au maximum de l'expérience, histoire de garder des bons souvenirs, avant de sortir de là pour aller me réchauffer un peu quand même. Clairement, je garde un souvenir spécial de cet anniversaire que j'aurais du mal à oublier. Et donc, sur ce début de trentaine, tout frais pour moi, je m'en vais conclure cette expérience parce que finalement je suis tombé sur ce qui devrait être le lieu parfait pour cette ultime épreuve. Alors évidemment je prends pas du tout ça à la légère, hein, je suis encore en train de finir de coordonner tout ça pour faire attention à que tout se passe bien, mais normalement dans 2 ou 3 jours on devrait pouvoir y aller avec une petite équipe. Bon, du coup, en préparation de cette sortie, bah il faut que je me fournisse un peu parce que figure-toi que je ne possède pas le matériel nécessaire pour aller péter de la glace et tout ça, donc on est en train de faire les courses là. J'ai rien trouvé d'autre que ça, c'est clairement un truc pour le jardin, sauf que voilà, les trucs que je voulais, manifestement, c'est au Canada ou en Russie que tu t'en procures facilement. Y a pas la livraison ici, en Suisse. Pourtant, ça se fait, apparemment. Donc, on va se débrouiller avec ça. Bon, c'est l'heure de conclure cette dernière update avant le jour J. Je vais sortir d'ici parce que je commence à voir la voix qui tremble. Ça fait un petit moment que je suis dans l'eau, là, quand même. Du coup, bah, je me réjouis carrément, mais je ressens quand même un petit peu d'appréhension, je t'avoue. Et voilà, physiquement, je me sens prêt. Mentalement, je vais finir de me préparer ces prochains jours, probablement, en me faisant des dernières bonnes douches froides. Et voilà, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de te montrer tout ça. Et puis, du coup, on se retrouve sur place dans quelques jours.
Hop. Là, c'est vraiment où on commence à se faire remarquer un peu. Bon, après presque 3 heures de voyage dans cette chère Suisse, nous sommes arrivés au lac de Chinonze à presque 1600 mètres d'altitude. Là, on va devoir creuser la glace, on est au milieu du lac. J'ai ma bêche de jardin, j'espère que ça va suffire. Un petit pic à glace, et je vais creuser mon trou. Ok, bon, on a trouvé un très gentil pêcheur qui veut bien nous prêter sa tanière, comme on appelle ça, sauf erreur. On va aller voir si avec ça, ça marche un petit peu mieux. Ok, bon, le trou est finalement opérationnel après un bon moment. Température du jour 0,1 degré. Avec des petits glaçons pour faire joli. Là, clairement, c'est du record perso. C'est le moment. Dernier bain, je suis chaud, je suis prêt. Allez, elle est bonne. Allez, Eric, allez. Ça va, Eric ? Ça va. Et normalement, si on garde la respiration, on contrôle tout. Il fait peur, le fond. Il fait peur. Ah ouais ? Ouais, quand même. J'ai pas envie d'aller au fond, là. 2 minutes, tiens, ça va. On va essayer de trouver le juste milieu entre la belle perf et la perf dangereuse. Faut faire attention, pas aller trop loin. Pour ce genre d'expérience, si je l'ai fait sur 3 mois et pas une semaine, c'est pas que pour faire des vues, c'est aussi parce que, vraiment, ça me chauffe personnellement de faire ça, et ça me chauffe encore plus de pouvoir les partager ensuite sur ma chaîne avec toi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle, tu sens qu'il y a une influence positive, tu peux t'abonner. C'est le moment où jamais de le demander. Quoi? On est à 3 minutes 25. Ouais, ok, on est pas mal déjà. Il y a la glace qui regèle autour de moi, regarde. Ça commence à me cisailler le cou et tout là, ouais. C'est une seconde et t'es à 6. Ouais, moi, t'es à 6 minutes, c'est bon. Tiens, encore un petit peu. 6,45. Bah allez, à 8 je sors. Putain. Je serais satisfait. J'ai pas encore la voix qui tremble trop, je sais que ça va encore. Pour sa mère, c'est froid quand même. T'as vraiment une sale gueule là. Ah bah on les connaît, les sales gueules d'Eric Flash. T'es à 8,30 hein. Sors, ouais. Ah, ok, fini. Oh putain. Ça va, Eric? Oh putain. Je suis engourdi de ouf. Ouais, il faut que je me sèche. T'as besoin d'aide, tu dis hein. Oh. Bordel, est-ce que t'arrives à me... Ah, t'arrives à me sécher. J'arrive pas bien à utiliser mes mains. Qui veut voir ma p***e? Faut que t'as du point de chair dans le... Elle est toute rouge. J'espère qu'elle s'en remettra, je vais encore en avoir besoin. Déconseille fortement de s'amuser à faire ça sans des gens autour qui sont prêts à te porter secours et sans être bien préparé. Ah, tu m'as l'air de très chauffé là. Là, il fait chaud là maintenant. Et ça coupe la glace, hein. Purée, je sens absolument rien, je sais pas du tout. Et après, il y a le contre-coup après. Une fois sorti. Bon, on est remonté jusqu'aux cabines. Petite marche, ça réchauffe. Tout va bien, je suis vachement, vachement content. Et puis ouais, on arrive gentiment au bout de cette expérience. Je pensais que ça serait très difficile de reprendre, mais en fait, il a juste fallu faire le petit truc, me remettre une fois dessous. Et ensuite, la machine, elle avançait toute seule. Et c'est la même chose avec mes potes qui sont venus se baigner avec moi pendant l'expérience. Ils pensaient que c'était impossible, ils pensaient que c'était réservé aux autres, à ceux qui n'ont pas froid. Ils ont essayé, et puis ils se sont rendu compte qu'en fait, ça faisait plus peur que de mal, concrètement. C'est bien, ouais. C'est vrai? T'es d'accord, Cédric? Ouais. Du coup, je pense que c'est un petit peu le message de fin de cette vidéo, c'est vraiment ose, tente, goûte, teste les choses, fais le premier pas dans quelque chose qui te semble difficile, inconfortable, impossible, et tu te rendras probablement compte qu'en fait, il n'y a pas que les gens sur internet, il n'y a pas que les autres qui peuvent réussir à faire quoi que ce soit qui peut te donner envie. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, si elle t'a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve rapidement dans une nouvelle expérience, une nouvelle vidéo de sport ou quoi que ce soit qu'on a l'habitude de trouver sur la chaîne. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao. Cédric, tu dis au revoir. Au revoir, putain si vous. Merci évidemment à ce cher Cédric qui m'a accompagné dans toutes ces péripéties. Hein.